Coucou, on se retrouve pour la suite de cet album. Donc on avait déjà fait les 6 premières pages qui seront à l'intérieur de notre album. On va maintenant venir faire du coup la structure. Donc pour faire la structure, je vais avoir besoin de 3 cartonnettes. Donc je vais avoir besoin de 2 cartonnettes qui font 17 x 16,5 cm. Comme ceci. Et une autre qui fait 6 cm sur 16,5. Donc ici, les 17 sont ici, dans ce sens-là, 17 cm sur 16,5. Donc la hauteur de mon album, 16,5, 17 ici et 6 pour la tranche. Je vais venir prendre 2 feuilles de papier craft, donc en A4. Comme vous le voyez, pour une feuille, ça ne va pas rentrer si je veux faire mon album. Donc ma petite astuce, c'est que je vais prendre 2 feuilles. Je vais venir mettre du double face ici au bout d'une de mes pages, une de mes feuilles, comme ceci. Et je vais venir coller l'autre page par-dessus. Donc je mets un petit peu de colle. Donc voilà, par-dessus. Donc voilà, une fois qu'elles sont bien collées, vous voyez, j'ai une grande page, comme ceci, sur laquelle je vais pouvoir venir coller mes 3 cartonnettes. Alors ici, au niveau de la superposition du coup des 2 feuilles, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je colle une de mes cartonnettes vraiment au bord, puisque ça risque de se décoller. Donc, par mesure de précaution, vous mettez la cartonnette qui servira de tranche, donc celle de 16,5 sur 6, au milieu, en plein milieu. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas se décoller et ça ne se verra pas ensuite, puisqu'on va venir coller des papiers par-dessus. Donc, tout simplement, celle-ci au milieu, ici. Au niveau de la superposition des 2 pages, je viendrai coller ma tranche ici au milieu. Et ensuite les 2 autres à côté. Mais je vais laisser un écart quand même entre les cartonnettes pour que je puisse plier. Vous allez voir, je vais le mettre en accéléré au moment où je vais coller. Mais vous pourrez voir que je vais laisser l'espace. Je vais bien voir que enfin, je vais bien fermer et ouvrir ici mon album pour laisser respirer ici entre les 2 cartonnettes pour ne pas que mon papier ensuite se craque. Donc, quand vous allez venir les coller, laissez bien l'espace entre les 2. Donc moi ici je prends mon plioir en général et je laisse l'espace qu'il y a entre ici mon plioir. Alors après je sais pas trop combien ça fait, je vous le dirai quand j'aurai fini de coller si vous voulez. Voilà, mais n'oubliez pas de laisser l'espace et moi je fais toujours j'ouvre, je ferme au moment où je viens coller, comme ça je suis sûre d'avoir l'espace nécessaire.
Donc voilà, je viens de finir de coller mes trois cartonnettes. Donc ici, moi j'ai, alors c'est vraiment à titre indicatif, j'ai, je crois, un peu plus de 2 mm entre chaque cartonnette. C'est vraiment à titre indicatif. Comme vous avez vu, mon carton n'est pas très épais. C'est un carton de céréales, je crois, oui. Donc il est vraiment pas très épais. Si vous prenez 1 cm ou 2 cm d'épaisseur pour vos cartonnettes, il va falloir laisser plus d'espace. Mais si vous faites comme je vous ai dit, là, vous essayez comme ça de refermer, s'il n'y a pas de souci, c'est que normalement ça ne devrait pas craquer après, il n'y aura pas de souci. Ici, on va continuer maintenant. Je vais venir replier ici. Je vais peut-être enlever mon surplus de carton, puisque là j'en ai un petit peu trop. Ça va me faciliter le travail. Ici aussi. Voilà. Et du coup, je vais venir replier. Je vais commencer ici par ce côté. Donc, tout simplement, je marque ici mon pli pour m'aider à venir replier ici mon papier. Voilà. Je fais la même chose et je vais faire la même chose du coup pour le côté, ce côté-ci et le haut et le bas aussi de mon album. Donc maintenant que j'ai plié mes quatre côtés, je vais venir ici au niveau de l'intersection, venir couper comme ceci pour qu'ensuite je puisse rabattre beaucoup plus facilement mon papier. Donc je fais la même chose du coup pour les quatre. Donc au niveau de l'intersection, hop, comme ceci. Donc je vérifie quand même à chaque fois que c'est bon. Pour celui-ci et le dernier. Voilà, comme ceci. Donc je viens mettre maintenant au niveau ici de mes quatre parties du double face et je vais venir les rabattre tout simplement comme ceci pour pouvoir venir les coller comme ceci.
Une fois que c'est collé, donc je me suis aidée aussi de petites pinces pour pouvoir voilà, que ça colle mieux. Donc voilà ma structure. Je vais continuer avec un bout de papier craft, donc j'ai pris dans mes chutes. Donc qu'il soit assez large, donc là 6 cm, que ce soit beaucoup plus large que la tranche. Donc là moi j'ai un peu plus de 14, 14,2 cm. Je vais maintenant venir le poser ici sur la structure et je vais venir découper pardon, selon la hauteur de mon album, donc normalement 16,5. Après moi je préfère le faire directement sur ma structure, comme ça j'ai pas de surprise, puisqu'il suffit que voilà, ça gagne un petit peu, un demi, un petit millimètre, et ça va se voir. Donc du coup je préfère le prendre sur la structure. Donc, du coup je vais venir couper. Comme ceci, je vais venir le coller ensuite directement ici. Donc voilà, la structure du coup est terminée. Maintenant, on va faire le petit système pour venir coller nos 6 pages. Donc j'ai déjà un petit peu préfait 2. On va en faire 3. Donc vous devrez en faire 3. Je vais vous en montrer une. Vous devrez en faire 3. J'ai pris dans mes chutes de papier. Donc là, ça fait un petit peu long, mais je vais vous expliquer. Après, je vais recouper. Donc je prends dans mes chutes de papier. Je viens mesurer du coup... 15,5, c'est la hauteur de mes pages. Donc 15,5, je coupe. Et ensuite, je vais venir faire 2 plis. Un premier pli à 1,5, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 1,5. Donc un premier pli à 1,5. Donc je marque juste mon trait pour venir faire mon pli. Et un autre à 2 cm. Donc vous aurez 0,5 cm d'écart. Donc un à 1,5 et l'autre à 2 cm. Donc je viens faire. Un pli comme ceci. Donc le premier à 1,5 et le second à 2 cm. Pour laisser en fait un petit jeu de 0,5 cm du coup pour les pages après qu'on va venir coller. Donc ici, voilà, j'essaye de les plier dans tous les sens puisqu'il faut que ce soit malléable après au niveau des pages. Donc comme ceci. Et maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir mettre du double face ici, sur le haut de chacune de mes trois petites pages que ensuite je vais venir coller dans l'album. Donc voilà, j'ai mes trois petits mécanismes ici pour venir
mettre mes pages. Donc vous voyez ici, j'ai pas des différentes, je suis venue recouper. Faut pas que ce soit non plus trop grand. Là, vous voyez, ça fait 5 cm, là ça en fait 4. Là 3. C'est en fait, on va venir coller nos pages, vous voyez, oups, sur cette partie-là. Donc voilà, si c'est plus ou moins grand. Après, faut pas que ce soit trop petit non plus. Voilà, je vous ai donné, moi, ça fait entre 3,5 et 5 cm. Après, il ne faut pas que ce soit non plus trop grand, puisqu'on va venir coller les pages. Donc ici, on va commencer à prendre la première. On va venir mettre... Oups, on va venir coller. Donc... Voilà. Donc ici, je prends ici le côté droit. Je viens le coller, alors pas tout à fait contre mon pli, mais à quelques millimètres. Je n'oublie pas aussi de venir centrer ici au niveau de la hauteur. Et je viens coller ici tout simplement mon premier. Mon premier papier. Voilà, donc ça donne ceci. Ici mon pli. Et ici je suis venue coller du coup mon premier papier. Donc en venant coller, j'oublie pas de laisser mes 5 petits millimètres. Ils ne sont pas collés eux, ils sont ici. En fait, on va pouvoir donner un petit peu de jeu après à nos pages qui vont être collées ici. Donc ne collez pas ce petit 5 mm, vous le laissez tel quel. Vous collez vraiment que cette languette de 1,5 directement sur la tranche. Ensuite, pour les restantes, on va venir les coller tout simplement contre la première. Comme ceci, ça va donner ça. Et la troisième, idem. On va venir la coller contre la deuxième. Comme ceci, voilà. Et ici, on va avoir du coup 1,5. Donc à chaque entre chaque page, vous aurez du coup 1,5 cm. Donc maintenant, j'ai collé les deux autres. Donc maintenant que c'est collé, je vais pouvoir venir coller du coup mes pages. Donc je commence par la fin, c'est un petit peu plus facile. Donc je vais venir enlever, ici j'ai mis du double face, donc je viens d'enlever. Et je vais venir coller, je vais mettre un petit peu de colle ici, sur cette partie-là, où je vais venir coller. Alors ici je viens juste coller. Hop ça. Juste coller, donc je laisse toujours mes 5 mm, n'oubliez pas, ne collez rien dessus. Donc, voilà, comme ceci. Vous voyez, comme ça j'ai un petit peu de jeu avec mes 5 mm. Donc j'essaye de bien centrer. Et je viens de prendre mon autre page, donc la page de derrière qui est celle-ci. Je vais venir la coller juste à l'arrière. Donc voilà. J'enlève tout mes doubles faces. Je viens mettre du coup de la colle ici à l'arrière. À l'arrière de celle-ci aussi. Ce sera plus facile puisque j'ai mis du double face. Je trouve que c'est mieux de mettre de la colle. Ça glisse mieux en fait pour venir coller les deux pages. Voilà, je fais attention à ne pas coller mon ruban. Des fois que... Hop. Et du coup, je viens mettre cette page-ci sur la précédente qui est ici. Donc, je les colle bien l'une à l'autre. Voilà.
Voilà, donc vous voyez, hop, très facile après à manipuler avec les la petite marge qu'on s'est laissée de 5 mm. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être mettre quand même des petites pinces pour aider le collage des deux pages entre elles. Voilà, comme ceci. Et après, c'est très simple. Pour les restantes, bah, c'est exactement le même principe. Vous venez mettre un petit peu de colle là, vous collez la première, vous retournez, vous mettez de la colle et vous collez les deux ensemble. Donc voilà, nous avons terminé du coup la structure de l'album. On est venu coller nos 6 pages qu'on avait fait précédemment. Donc il va nous rester pour le prochain tuto à faire ces pages ici intérieures, ces grandes pages, ces contre-couvertures. Et à terminer notre album avec la couverture, l'arrière, la tranche, enfin voilà la déco. Donc cette partie-là du tuto est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous, on va se retrouver très très bientôt pour terminer cet album. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications pour la fin de l'album. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.